Bonjour à tous. Donc Céline est thérapeute et énergéticienne. Donc je vais profiter de ce moment de confinement pour vous refaire quelques tappings, quelques vidéos de FT et puis pour aborder en fait certains sujets qui peuvent effectivement peut-être vous être utiles pendant ce temps de confinement. Donc comme beaucoup le savent, moi je suis confinée au Maroc et voilà, donc j'en profite pour faire quelques vidéos pour vous aider en tout cas à traverser cette période un petit peu compliquée. Donc là, je vais aborder le thème de la tristesse. Donc je vous ai fait un petit tapping sur la tristesse. L'EFT, donc j'en parle beaucoup dans mes taroscopes, c'est une technique très simple. Vous faites les mêmes gestes que moi, vous tapotez aux mêmes endroits que moi et vous répétez les phrases après moi. Et vous allez voir, les émotions vont se libérer. C'est une méthode de psychologie énergétique, voilà, pour se libérer des émotions qui sont bloquées. Là, c'est en lien avec la tristesse. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander, donc vous n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, d'aller vous chercher un grand verre d'eau. Puisqu'on travaille avec les énergies, c'est important après de bien s'hydrater pour continuer le travail de nettoyage énergétique. Et puis, je vais vous demander surtout de vous connecter à la tristesse que vous pouvez ressentir ou à un événement qui vous rend triste, même si c'est quelque chose qui est passé depuis très longtemps, mais qui vous rend encore triste aujourd'hui. Alors, si c'est le confinement, eh bien, c'est pas grave. Vous vous connectez vraiment à ce qui vous rend triste. Et donc, en fait, une fois que c'est fait, que vous êtes bien connecté à cet événement, à cette situation, vous essayez de calculer ce qu'on appelle l'intensité émotionnelle. C'est entre 0 et 10, on appelle ça le sud. 0 étant ça ne m'affecte pas du tout et 10 étant ça m'affecte beaucoup. Donc vous vous concentrez bien, vous vous connectez bien à votre problème. N'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo. Là je vais vite parce qu'effectivement, vu que je suis confinée au Maroc, je ne peux pas faire des vidéos très très longues. Mais vous comprenez le principe. Vous mettez pause, vous vous connectez bien, vous calculez votre intensité émotionnelle. On va le recalculer à la fin de la vidéo. Voilà, une fois que vous êtes prêt, vous remettez lecture et c'est parti. Donc on commence comme d'habitude avec le point karaté. Donc vous répétez les phrases après moi. Même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et vous respirez bien, les amis, c'est important. Même si je ressens beaucoup de tristesse en moi, autour de moi, je m'accepte tel que je suis. Même si ça m'agace d'être triste, d'être tout le temps triste, je m'aime et je m'accepte tel que je suis en cet instant. Vous respirez bien, on maintient le point au niveau du point karaté. Et là, c'est parti. Donc, on va commencer à tapoter sur le dessus de la tête. Je me sens tellement triste. Début du sourcil, donc c'est vraiment ici, à la racine du sourcil. J'ai toute cette tristesse en moi. Et vous soufflez bien. Alors, vous pouvez tapoter à droite, vous pouvez tapoter à gauche, vous pouvez tapoter à droite et à gauche en même temps, peu importe. On travaille sur des méridiens. Les méridiens sont parallèles. Les méridiens d'énergie sont parallèles. Donc le travail se fait. Coin de l'œil. Je me sens triste. Mon cœur est triste. Et vous soufflez bien. Donc c'est possible hein, que les émotions arrivent, qu'il y ait des pleurs. C'est normal. On libère les émotions. Si vous n'arrivez pas à prononcer les phrases, vous continuez de tapoter et vous écoutez simplement ce que je dis et vous continuez le travail, même si vous ne pouvez pas prononcer les phrases. Sous l'œil. Je ne sais pas pourquoi je suis si triste. Et vous soufflez bien. Sous le nez. Donc juste ici dans le creux. Je ne supporte pas d'être triste comme ça. Et vous respirez bien. Sous la bouche, donc dans le creux là, je pleure souvent et ça m'énerve.
niveau des points clavicules. Et si je pouvais me libérer de cette tristesse? Et vous soufflez bien les amis, c'est important. Sous les bras, donc au niveau de la bretelle là, enfin pas de la bretelle mais de l'élastique là du soutien-gorge. Non, c'est pas possible. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et vous respirez bien. Sous les seins, je me sens tellement fatiguée d'être triste. Et vous respirez bien. Donc là, vous pouvez mettre pause et vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Moi, je vais continuer, mais n'hésitez pas à mettre pause. Là, on vient de faire une ronde. On repart sur une deuxième ronde. On reprend dessus de la tête. Je ressens encore toute cette tristesse en moi. Et vous soufflez bien. Début du sourcil. Je suis complètement bloquée dans ma tristesse. Coin de l'œil. Donc le coin de l'œil, c'est ici, hein, c'est pas au niveau de la tempe, c'est vraiment dans le prolongement. Est-ce qu'un jour je retrouverai ma joie de vivre? Et vous respirez bien. Sous l'œil. Et si je pouvais me libérer d'une partie de ma tristesse maintenant, qu'est-ce que je risque à essayer? Et on respire bien. Sous le nez, je veux retrouver le sourire, la joie de vivre. Sous la bouche, je libère et je lâche toute la tristesse bloquée en moi. Alors, c'est possible qu'il y ait des pleurs, c'est possible qu'il y ait des larmes, c'est possible qu'il y ait une boule dans la gorge. Vous continuez de tapoter, vous répétez la phrase, vous mettez pause et vous répétez cette phrase jusqu'à ce que l'émotion parte. Sous les clavicules, je libère et je lâche tout ce qui est à l'origine de cette tristesse. Et vous respirez bien. Je libère et je lâche toute cette envie de pleurer qui est bloquée en moi. Sous les bras, je choisis de libérer tout ce qu'il reste de tristesse en moi. Sous les seins, tout mon corps se détend et ça fait du bien. Sentez votre corps qui se détend au fur et à mesure que vous tapotez. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, on vient de faire une deuxième ronde. Prenez un peu d'eau, soufflez bien et ensuite vous reprenez la vidéo. Moi je continue. Mais prenez ce temps pour boire un petit peu d'eau, c'est important. Et donc là, on va faire la dernière ronde et on repart sur le dessus de la tête. Mon cœur est plus léger, je le ressens. Et vous respirez bien. Début du sourcil. Ma respiration s'apaise. Je me sens beaucoup mieux. Ressentez votre respiration qui s'apaise. Coin de l'œil. Tout mon corps se détend. Et j'apprécie vraiment cette détente. Fermez les yeux et ressentez vraiment votre corps se détendre.
Et vous respirez bien, les amis, c'est important. Sous l'œil. J'ai même envie de sourire, comme ça, maintenant. Et on se fait un beau sourire, les amis. Et on respire. Sous le nez, je reprends confiance en moi. Je reprends confiance en la vie. Et on respire. Sous la bouche, je me concentre sur ma respiration qui est calme et lente. Ressentez votre respiration qui s'apaise, qui devient de plus en plus lente, qui se calme. Et on respire bien. Sous les clavicules. Je ferme les yeux et je m'imagine en train de danser, de chanter, de rire aux éclats. Et ça fait du bien. Gardez les yeux fermés, hein, vraiment, et visualisez-vous en train de faire des choses qui vous plaisent. Alors là, vous pouvez imaginer d'autres choses, hein. Je vous ai dit ce qui, moi, me fait plaisir. J'ancre ces sensations en moi. Vivez-les, ressentez-les. Vous chantez, vous dansez, vous sautez, je ne sais pas, vous faites de la peinture. Ah, ça fait du bien. On continue sous les bras. J'aime cette sérénité qui s'installe en moi. Et on respire. On va terminer sur le dernier point, les amis, c'est sous les seins. Je me remercie pour cette ronde, pour ce lâcher prise. Je m'aime et je me fais un beau sourire. Parce que je le vaux bien. Et on l'ancre ce sourire, les amis. Et on respire. Ok. Alors, comment vous vous sentez? Forcément beaucoup mieux. Alors, vous reprenez un petit peu d'eau. Vous n'hésitez pas à mettre pause. Vous reprenez un peu d'eau. Continue le travail pardon, de nettoyage énergétique, c'est important de boire. Et ensuite, vous vous reconnectez à la même problématique sur laquelle vous vous êtes concentré au début et vous recalculez cette intensité émotionnelle, ce qu'on appelle le sud, entre 0 et 10. Ça a forcément baissé, les amis. Le but étant d'arriver à 0. Tant que ce n'est pas arrivé à 0, je vous invite à refaire la ronde. Alors, pas forcément maintenant. Laissez passer un peu de temps. Si vous êtes le matin, vous pouvez la refaire le soir. Vous pouvez la refaire demain. N'hésitez pas. Et je vous invite à travailler comme ça toutes les situations qui vous rendent triste. Peu importe. Il y en a peut-être plusieurs. Peut-être qu'il n'y en a qu'une. Peu importe. Je vous invite vraiment à refaire ce travail pour toutes les situations, toutes les problématiques qui vous causent de la tristesse. Pour toute cette tristesse que vous ressentez en vous. C'est hyper important. C'est hyper libérateur. Vous allez voir. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Au revoir.